Alors, c'est bon. Si. Alors, qu'est-ce que on avait dit qu'une équation du second degré, c'est une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, a virgule b appartiennent tous à l'ensemble des entiers réels. OK? Appartiennent tous à l'ensemble des entiers réels. C'est ça, hein? Alors, maintenant, lorsqu'on fait ça, ax carré plus bx plus c égale à 0, AB et c appartiennent à l'ensemble des entiers réels. Là, on s'était dit que pour résoudre cette équation-là, il faudrait calculer le discriminant qu'on appelle delta. Et le discriminant delta, la forme, c'était égal à b carré moins 4 à c. Delta égale b carré moins 4 à c. Alors, donc, et nos solutions, nos résultats dépendaient quoi? Du signe de delta. On avait dit que si delta, delta positif, on avait deux solutions, x1, x2, telles que x1 est égal à moins b, moins racine de delta, sur 2a. On avait dit ça. Ensuite, on avait dit x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta était positif, on avait ces deux solutions-là et on disait s égale à x1 point virgule x2. Ça, il y a une maîtrise. Tout ça, vous maîtrisez ça. Ensuite, on avait dit que si delta est égal à 0, on avait une racine double qu'on notait x0 c'est égal à moins b sur 2a. N'est-ce pas? Ensuite, on avait dit que si delta négatif, le second degré là, le trinôme du second degré là, le trinôme n'admet pas de solution. Ce qui faisait aussi que grâce à ces solutions là et grâce au résultat que vous aviez, vous pouviez mettre ax au carré, ax carré plus bx plus c, sous sa forme factorisée en faisant a est égal à x moins x1, facteur de x moins x2. C'est ça que vous faisiez tous, la forme factorisée. Et à partir de cette forme factorisée-là, on était aussi capable de résoudre les inéquations avec le second degré. Maintenant, je sais que vous avez carrément maîtrisé ça parce qu'on a fait beaucoup d'exercices sur ça. Je vous ai vu faire beaucoup d'exercices avec Payet sur ça. Vous avez fait beaucoup d'exercices, vous avez même fait les équations paramétriques avec ça. Donc, n'est que tout le problème pour rien. L'autre tout le monde n'est que problème pour rien. Ce n'est plus même un problème. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça c'était juste un rappel. C'est comment résoudre une équation de degré supérieur à 2. Parce que ça c'est un polynôme de degré 2. Le polynôme de plus haut degré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on rencontre un polynôme de degré supérieur à 2? Exemple, de degré 3, de degré 4, de degré 5, ainsi de suite. Comment résoudre ça? C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et pour résoudre ces polynômes-là, vous verrez qu'on va utiliser trois méthodes. On va utiliser la méthode de la division euclidienne, la méthode de la Dorner et la méthode, ce qu'on appelle la méthode d'identification. OK? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? D'abord, ça c'est un polynôme. Ax carré plus bx plus c, c'est un polynôme de degré 2. On appelle ça le trinôme du second degré. Il a désactivé son micro encore. Alors, ce qu'on a, un polynôme, on appelle polynôme. Toute fonction de la forme P de x égale à an xn plus a n moins 1 xn moins 1 plus a n moins 2 xn moins 2 ainsi de suite jusqu'à 1, une constante que je vais appeler a0.
Alors, maintenant, les polynômes-là qu'on a, il faudrait savoir que il y a ce qu'on appelle des monômes. Ça, c'est un monôme. OK? Et le AN là que vous voyez, il est appelé coefficient. C'est un coefficient. Et ce N là que vous voyez, ça s'appelle degré. Et ce N là, dans mon exemple là, ce N là, c'est le degré du polynôme. En fait, quand on a un ensemble de monômes, celui qui a le degré le plus élevé est en fait le degré du polynôme. Exemple, quand je vous donne ce polynôme là, P de x égale 5x au cube plus 3x au carré plus 7x moins 3. Alors ici, Soleiman, tu as levé ta main. Quelle est ta question? Soleiman, tu as une question. Désactive ton micro et pose ta question. Lan? Là-bas, c'est N. Je t'ai pas entendu. A, N, X exposant N. Wow. Plus A, N. Moins 1. C'est A, N moins 1. C'est A, N moins 1, oui. X exposant moins N. X exposant N moins 1. Ok. Merci. Ça c'est juste de manière théorique quoi. Ça c'est pas intéressant. Après l'année prochaine, Inch'Allah, on va faire les itérations et tout ce genre de trucs là. Il faut pas s'attarder sur la forme, ok? Il faut pas s'attarder sur ça. Après on verra. Au plus on va faire des exercices, on verra. Il faut pas s'attarder sur cette forme là parce que là ce sont des itérations et quand vous le voyez comme ça, vous allez vous dire que ah c'est compliqué. Alors que c'est pas compliqué. Ce AN là que tu vois là, Soleiman, c'est égal à ce 5 là. C'est ça ton AN. Ici. Le x à la puissance n là que tu vois, c'est ça. Ici, tu as x à la puissance n. Ainsi de suite. Donc, parmi ce polynôme là que j'ai écrit, quel est le monôme qui a le plus grand degré? Le monôme de plus haut degré. C'est lequel? Le monôme de plus haut degré, c'est lequel? 5x cube. Le monôme de plus haut degré, c'est 5x au cube. Donc, le degré de ce polynôme p de x là, c'est quoi? Le monôme. Non, c'est pas 5x au cube. Le degré de ce polynôme là est le degré du monôme de plus haut degré. Or le monôme de plus haut degré c'est 5x au cube. Son degré c'est 3. Donc ce polynôme là, son degré c'est un polynôme de degré 3. Est-ce que vous avez compris? Oui. Vous avez compris? Il suffit seulement. Qui a dit non? Moi. Fini. Ban mon puissance. 5x. 5x, mon puissance. Je vais dire 5x. Ah, 5. Non, ça c'est du bien. Tu n'arrives pas à voir, Hannah. Qu'est-ce que j'ai écrit? Lis-moi ce que j'ai écrit. 5x à la puissance 5, ou bien? 5x à la puissance 5. C'est ça que j'ai écrit. Ça c'est quoi? À 3. Donc, quel est le monôme de plus haut degré? Quel est le monôme de plus haut degré? 5. Qui va répondre à cette question? Quel est le monôme de plus haut degré? Est-ce que 5x au cube? 5x au cube. 5 n'est pas un monôme. C'est 5x au cube qui est un monôme. Donc le monôme de plus haut degré ici, c'est 5x au cube. Son degré, c'est quoi? 3. 3. Donc le degré du polynôme, c'est? 3. C'est 3. Donc ici, on a un polynôme de degré 3. Donc pour déterminer le degré de ce polynôme-là, il suffit seulement de regarder le degré du monôme de plus haut degré et dire que ici, le monôme de plus haut degré, c'est 5x au cube, son degré c'est 3, alors il se trouve que donc mon polynôme est un polynôme de degré 3. Est-ce que vous avez compris? Oui. Maintenant, on peut donner plusieurs exemples en fonction de ça. On peut donner des polynômes de degré 2, des polynômes de degré 3, des polynômes de degré 4, ainsi de suite. Ainsi de suite. Maintenant là, on vous demande, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si, par exemple,
on vous demandait de résoudre l'équation P d'x égale à 0. Qu'est-ce qui allait se passer? Comment vous allez résoudre ça? Là, vous n'avez pas les notions mathématiques. Vous n'avez pas des notions actuellement. Vous n'avez pas ces notions mathématiques-là pour dire que vous allez résoudre cette équation-là. Pourquoi? Parce que ce n'est ni une équation du second degré, ce n'est ni une équation du premier degré à x plus b égale à 0. Les équations que vous pouvez résoudre, ce sont les équations bicarrées, les équations du second degré, les équations de degré simple, tout ce genre de trucs-là. Mais cette équation-là, vous n'avez pas encore appris à les résoudre. Maintenant, il faut savoir que pour résoudre une équation du second degré, on a trois méthodes. On a ce qu'on appelle la méthode d'identification. On a la méthode d'identification. On a la méthode de division euclidienne. Ensuite, on a la méthode Turner. On a ces deux méthodes-là. On a ces deux méthodes-là. OK? C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a donc ces trois méthodes-là. Maintenant, il faudrait savoir que ces trois méthodes-là sont ces trois méthodes-là, elles sont liées par quelque chose. Elles sont liées par ce qu'on appelle la racine évidente. Elles sont liées par ce qu'on appelle la racine évidente. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une racine évidente? Exemple. Je peux vous donner un exemple. Si j'ai cette équation-là, x moins 1 égale à 0, qui peut me donner une solution évidente de cette équation-là? La solution évidente ici, c'est 1. Oui. C'est bon, vous êtes tous d'accord que la solution évidente ici c'est 1. Oui. C'est bon. Ensuite, maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que là, tu as regardé seulement, tu as dit que si je remplace ici 1, je vais avoir 1 moins 1, ça me donne 0, donc 1 est une racine évidente. Oui. Qu'est-ce qui se passerait maintenant si je te donne x carré plus x moins 2 égale à 0. Qui va me chercher une solution évidente? Une racine évidente. Un est une racine évidente. Pourquoi? Parce que si je remplace ici 1, je vais avoir 1 au carré plus 1 moins 2. Ce qui me donne 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça me donne 0. Ce qui fait que là, 1 est une racine évidente. Est-ce que vous avez compris? Donc, tous ces trois méthodes-là sont reliés par ce qu'on appelle la racine évidente. Cela veut dire que si on vous demande de résoudre une équation avec un polynôme de degré supérieur à 2, vous êtes obligé de chercher ce qu'on appelle une racine évidente. D'abord, on est obligé de chercher une racine évidente. Soit on vous le donne, soit on vous impose à aller chercher ça. OK? On vous impose d'aller chercher ça. OK? Des équations. Je vais vous donner des équations. Vous allez me chercher la racine évidente. Je vous donne des équations. Vous me donnez la racine évidente.
Alors, si je vous donne P de x égale x au cube moins 4x au carré, si je vous donne ça, P de x égale x au cube moins 4x au carré, P de x égale x au cube moins 4x au carré, plus 5x moins 2. Plus 5x moins 2. Alors, cherchez-moi la racine évidente ici. Cherchez la racine évidente ici. Cherchez la racine évidente ici. Est-ce que 1 est une racine évidente? On va vérifier. P de 1. On fait 1 au cube. Moins 4 facteur de 1. Plus 5 facteur de 1. Moins 2. Ce qui fait que P de 1. C'est 1. Moins 4. Plus 5. Moins 2. Alors, 1 moins 4, ça fait moins 3. 5 moins 2, ça fait plus 3. Donc, 1 est une racine évidente. Alors, 1 est une racine évidente. Donc là, vous venez de comprendre comment cherche-t-on une racine évidente. Donc, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode pour dire que c'est comme ça qu'il faudrait faire pour chercher la racine évidente. Non, on prend un nombre, on remplace, on prend un autre nombre, on remplace, ainsi de suite, jusqu'à trouver la bonne solution. Mais sachez que si vous êtes incapable de trouver la racine évidente, alors il vous est impossible de résoudre l'équation avec le polynôme. Est-ce que vous avez bien compris? Vous avez bien saisi? Good. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va généraliser. Si on a un polynôme P de x qui admet A comme racine évidente, soit P de x, un polynôme de degré n. Vous avez compris? Un polynôme de degré n qui admet A comme racine évidente. Donc ça, P1, je vais noter ça, la propriété P1, qui admet A comme, bon, A est un réel, A appartenant à R, en parenthèse, A appartenant à R, qui admet A comme racine évidente. Point. Alors, P de x est factorisable. P de x est factorisable. Par x moins a tel qu'on est. P de x égale à x moins a fois q de x un polynôme. Q de x un polynôme degré n moins 1. Q de x un polynôme degré n moins 1. Alors, on va relire ça. Qui va désactiver son micro et lire? Qui va faire ça? Qui a un bon micro, qui ne fait pas de bruit. Et là où il est, il n'y a pas de bruit. Et il voit bien. Bien, elle voit bien. Qui va désactiver son micro et lire? Aïssatou, je vais désactiver ton micro pour voir. Parce que là... Je ne vois pas. Souleymane? Jacqueline? Souleymane, vas-y. Ça peut être... Ça... Alors. Oui, j'attends, vas-y. Dame, ça
Soit PDX en polynôme. Soit PDX en polynôme. De degré N. De degré N. De degré P. De degré N. De degré N. Oui. Ah, ok. De degré N. Qui vous, admet... vous voyez pas avec le rouge? Non, non. Non. C'est le rouge qui pose problème. Donc, je ne vais plus écrire avec le rouge. Je ne vais plus écrire avec le rouge. Donc, j'ai dit, soit PDX en polynôme de degré N qui admet A comme racine évidente, alors P de X est factorisable par X moins A tel que P de X égale X moins A fois Q de X. Et Q de X est un polynôme de degré N moins, moins 1. De degré N moins 1. Donc ça signifie que notre polynôme X au cube moins 4X au carré plus 5X moins 2 est factorisable par quoi? Quelle est la racine évidente de ce polynôme-là qu'on a pris comme exemple? Quelle est sa racine évidente? 1. 1 est une racine évidente. Donc, si 1 est une racine évidente de ce polynôme-là, donc P d'X est factorisable par quoi? Par? Par quoi? Par N. Mais comment elle peut être factorisable par N moins 1, Soleiman? Il faut réfléchir. N n'est pas une variable. J'ai dit qu'elle est... Merci beaucoup Zoubeida. Par x moins 1, elle est factorisable par x moins 1. Que vient faire le n ici? Non, c'est ici. Même si fait qu'elle met x, c'est comme des n kai. Il faut réfléchir dans ta tête. Alors, maintenant, ce qui fait que maintenant, ce p de x là est factorisable par x moins 1. Alors, s'il est factorisable par x moins 1, je peux écrire donc que P de X, je peux écrire donc P de X égale à X moins 1 facteur de Q de X. Alors, quel serait le degré de Q de X? Quel serait le degré de Q de X? D'abord, quel est le degré de P de X ici? Quel est le degré de P de X? 3. 3 est le degré de P de X. Maintenant, si P de X est le degré 3, alors, quel serait le degré de Q de X? Quel serait le degré de Q de X? J'ai dit Q de X est un polynôme de degré N moins 1. Alors, quel est le degré de Q de X dans ce cas-ci, si P de X a un degré 3? 3. Il faudrait savoir 2. Donc, degré de Q est toujours égal à degré de P moins 1. Donc ici, degré de Q, je réécris ça, degré de Q égale à le degré de P moins 1. Dans ce cas-ci, notre Q de X là, pour notre exemple, son degré serait égal à combien? Est égal à 2. Degré de Q égal à 2. Il faut ngén qui c'est le micro parce que vous dérangez les autres. Zoéda, il y a trop de bruit derrière toi. C'est bon. Donc, degré de Q égale 2. Alors maintenant, si degré de Q égale à 2. Alors, Souleymane, il y a trop de bruit derrière toi aussi. P de X, donc on avait dit que P de X égale à X moins 1 facteur de Q de X. Or, degré de Q est égal à 2. Alors, comment s'écrit un polynôme de degré 2? Un polynôme de degré 2, comment ça s'écrit? Un polynôme de degré 2, ça s'écrit comment? Oui.
Comment s'écrit un polynôme de degré 2? AX carré. AX carré. Voilà, AX carré. Plus BX. Plus C. Un polynôme de degré 2, ça s'écrit AX carré plus BX plus C. Ce qui fait que donc, P de X, je peux l'écrire sous la forme donc, X moins 1, facteur de AX carré plus BX plus C. C'est bon. Alors maintenant, l'objectif maintenant des trois méthodes là, c'est chercher la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. La méthode d'identification, la méthode de division euclidienne, la méthode d'Horner, elles font que chercher les valeurs de A, de B et de C. Vraiment, c'est drôle. Donc, ce qu'il faudrait faire, Ce qu'il faudrait faire ici, c'est quoi? C'est d'abord chercher la racine évidente. Si vous cherchez la racine évidente, vous factorisez P de X sur cette formule-là et vous cherchez les valeurs de A, de B et de C. On va commencer d'abord par la méthode d'identification. Ok? Je passe. Alors, ce que je veux que vous ayez en tête, c'est P de X. P de X, c'était quoi? Dictez-moi P de X. Quelqu'un me dicte P de X. L'exemple qu'on avait tout à l'heure. X au cube. Moins 4X carré. Moins 4X carré. Plus 5X. Plus 5x. Plus 5x. Plus. Moins 2. Moins 2. Voilà. Moins 2. Voilà. C'est bon. C'était ça, P de X. Alors, la méthode d'identification, c'est simple. Il suffit seulement de développer ici. Il faut développer là. Une fois que vous développez ici, vous vous identifiez à ça. C'est ça qu'on appelle la méthode d'identification. OK? C'est ça la méthode d'identification. Il faut développer ça. Si je développe ça, je vais avoir AX au cube plus BX carré plus CX moins AX carré moins BX moins C. Voilà. Je fais ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ordonne. Je vais ordonner. Je vais dire P de X égale AX au cube. Plus, entre parenthèses. Regardez, celui-là, x carré. Je factorise. Je vais avoir B moins A. Moins X carré. X carré. Voilà. Là, j'ai un X. Je vais faire plus C moins B, facteur de X moins C. C'est bon. Et là, j'ai dit, par identification, oui. Par identification à quoi? Par identification à ce PDX-là.
identification A supérieur X là. À quoi est égal à A? Deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients et les mêmes degrés. Deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients et les mêmes degrés. Regardez, celui-là doit être égal à celui-là. Ils ont le même degré. Donc, ils auront les mêmes coefficients. Ici, quel est le coefficient? Quel est le coefficient qui est avec le x au cube? 1. Ici, quel est le coefficient qui est avec le x au cube? Donc, ça veut dire que A égale 1. Vous avez compris? Et B moins A égale combien? B moins A sera égal à combien? Moins 4. B moins A égale à moins 4. Ensuite, C moins B égale combien? 5. C moins B égale 5. Et j'aurai moins C égale A moins 2. Vous avez compris? Oui. Alors, ce qui fait que donc, là, je vais avoir A égale 1. Si A égale 1, j'aurai B moins 1 égale moins 4. J'aurai B est égal à donc moins 5. J'aurai B égale moins 5. Parce que ici, ce sera moins 1. Ah, astaghfirullah. C'est moins 3. Parce que A égale 1, c'est moins 1. Si je le transpose de l'autre côté, ce sera moins 4 plus 1. Ça va me faire moins 3. Là, B égale moins 3. Je remplace ici, ça va me faire plus 3. Je le transpose de l'autre côté, ça me fait C égale à 2. Et là, C égale à 2. Donc, c'est vrai. On a donc A égale 1, point virgule, B égale moins 3, et C égale à 2. Mon polynôme maintenant peut s'écrire sous la forme P de X égale X moins 1, facteur de A, c'est X, A, c'est 1, moins 3X, plus 2. Donc, voici mon polynôme. Et quand on va me demander de résoudre P de X égale à 0, je pourrais résoudre ça. Parce que je sais comment résoudre X moins 1 égale 0. Je sais aussi comment résoudre X au carré moins 3X plus 2 égale à 0. J'utilise des cas. Et je sors les solutions. Je peux aussi factoriser ça, résoudre une équation avec tout ça. Il suffit seulement de mettre ça. Il y a beaucoup de formes qui sont en train de se faire. Il y a une méthode de résolution pour l'équation. Alors, nous comprenons, nous pouvons désactiver ce micro. Bien par bien. Je commence par voilà, le premier, la première. Émilie Mbaye. Émilie. Y a-t-il des questions? Non. C'est bon, tu as compris? Oui. Ok. Junior. C'est bon, tu as compris? Émilie, c'est le micro. Junior. Junior, c'est bon, tu as compris? Oui, Doudou, tu as compris? Oui, c'est bon. Ok. Clément, tu as compris? C'est bon, ben. Abdoulaye, si tu as compris? Oui, c'est bon. Aïssatou, tu as compris? Oui, c'est bon. Ensuite, Soumaré, tu as compris? Soumaré? Oui, oui. C'est bon. Oui, c'est bon. Nyan, tu as compris? Oui, c'est bon. Ok. Traoré? Traoré, tu as compris? Oui, j'ai compris. Zubeda, c'est bon? Vas-y, j'ai pas compris. Zubeda, c'est bon? C'est bon. Ok. Moussa Boy. Ok. Alors, maintenant, ça qu'on appelle la méthode d'identification. La méthode d'identification, c'est comme ça. Il faut toujours chercher la racine évidente. Ensuite, chercher la racine évidente, factoriser avec un polynôme. Chercher le degré de ce polynôme-là. Écrire le degré de ce polynôme-là avec les inconnus-là, A, B, C. Développer ça. Identifier un autre polynôme. Sortir les valeurs de A, B et tout ce genre de trucs-là. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on va passer à la méthode de division euclidienne. Comme maintenant, on va passer à la méthode de division euclidienne.
La méthode de division euclidienne, elle est simple. C'est comme une division que vous avez appris dans les classes antérieures. La méthode de division euclidienne, c'est ça qu'on prend. On sait que maintenant, que 1 est racine évidente de ça. Donc, je vais faire la division. Je vais faire x au cube moins 4x au carré plus 5x moins 2 divisé par moins 1. Une division simple. Et je vais m'attirer à diviser. Les gars, comment nous divisons? Bien, on va donner la question de l'acteur CM1, CM2, il expliquerait les bases, les prérequis d'une division. Dengue, non? Genre Soleimani. On va voir qui est ça. L'autre là, comment il s'appelle? J'ai oublié ton nom. Le nom de ta sœur là. Alors là, j'ai x au cube. Il me faut combien? Combien vais-je multiplier par x pour avoir ici x au cube? Je multiplie x par combien pour avoir x au cube? X carré. Donc, je vais mettre ici x carré. J'ai fait x carré fois x. J'ai fait d'abord mon moins. Et j'ai fait x carré fois x. Ça me donne x au cube. Ça me donne x au cube. J'ai fait x au carré fois moins 1. Ça me donne moins x carré. Je ferme la parenthèse et je calcule. X au cube moins x au cube. Ça me donne 0. Mm-hmm. Moins 4x au carré. Ce moins-là et ce moins-là, ça fait plus x au carré. Donc, j'aurai 4x au carré plus x au carré. Ça me fait plus 5x au carré. Et je fais descendre plus 5x moins 2. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore me poser la même question. Combien vais-je multiplier par x pour avoir ici 5x au carré? Moins 4x au carré plus x au carré, ça me fait moins 3x au carré. Merci beaucoup. Alors là, je pose encore la même question. Combien vais-je multiplier par x pour avoir moins 3x au carré ici? Moins 3x. Et je fais la même chose. Moins 3x fois x. Je fais d'abord mon moins. Parenthèse. Moins 3x fois x. Ça me donne moins 3x au carré. Moins 3x fois moins. Ça me donne plus 3x. Je ferme la parenthèse. Je fais comme ça. Et j'additionne. Moins 3x au carré. Moins, moins, ça fait plus. Donc, je vais avoir moins 3x au carré plus 3x au carré. Ça me fait 0. Je vais avoir 5x moins... Plus, ça fait moins. Donc, je vais avoir 5x moins 2x. 5x moins 3x, ça me fait plus 2x. Et je fais descendre ce 2-là. Je continue. Je vais me poser encore la même question. J'ai ici 2x moins 2. Combien vais-je multiplier par x pour avoir 2x? 2. Je fais plus 2. Et je fais 2 fois x. Je fais moins. Ça me fait 2x. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Je fais comme ça. 2x moins 2x, ça fait 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Et c'est fini. Je peux enfin dire que donc P de x est égal à x moins 1 facteur de x carré moins 3x plus 2. Alors, c'est fini. Et j'ai fait ça. J'ai factorisé ça. Et si on me demande P de x égale 0, je pose ça égale 0, ça égale 0. Pour celui-là, je cherche delta. Pour celui-là, je vais faire x moins 1 égale 0, x égale 1. Une fois que vous avez utilisé une des deux méthodes pour factoriser votre polynôme, vous pouvez résoudre l'équation, vous pouvez résoudre l'inéquation. C'est ça qu'on appelle la méthode de division euclidienne. Oui? Allez. Wow. Voilà. Là, si on en reste, il faut ajouter ici le reste. Ok, il faut ajouter ici le reste. Vous avez compris? Mm-hmm. Si vous avez P divisé par Q, ça vous donne ici S et ici R. Le reste, vous allez dire P égale S fois Q plus R.
plus le reste. Ok? S'il y a un reste, il faut l'ajouter. Mais de toute façon, pour que la division soit juste, il faudrait que le reste soit égal à 0. Ça, vous avez appris ça. Y a-t-il des questions? Emily, tu as une question? Emily? Allô? Allô? Allô, Emily? Allô? Voilà, on passe à la troisième méthode, c'est ça qu'on appelle la méthode de... C'est ça qu'on appelle la méthode de Dorner. Boa, Suleiman, me conta aí. Ocupa esse micro. Alors là, on avait PDX égale quoi? On avait PDX égale? X au cube. Moins 4x carré. Moins 4x carré. Plus 5x. Plus 5x. Moins 2. Moins 2. Voilà. C'est bon, vous voyez? Non, non. Voilà, c'est bon. Alors là, on avait dit que P de 1 égale 0. Donc, ça veut dire que 1 est une racine évidente. 1 est une racine évidente. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? Tracer le tableau d'Horner. Alors, le tableau d'Horner, c'est simple. Vous faites un tableau comme ça. Là, j'avais 1. Là, c'est le nombre de coefficients. On a 1, 2, 3, 4. Donc, on aura tous les coefficients qui sont là. 1, 2, 3, 4. Là, le coefficient de x au cube, c'est 1. Je le mets ici. Le coefficient de x au carré, c'est moins 4. Moi, je fais le coefficient de x, c'est 5. Je le mets ici. Là, je le mets ici. OK? Ensuite, là, la racine évidente, moi, je fais fini. Maintenant, ce 1-là, je le fais descendre là. Le premier coefficient, je le fais descendre ici. Une fois que j'ai fait ça, je fais le produit 1 fois 1. Ça me donne 1. Et entre les deux là, je fais la somme. Moins 4 plus 1, ça me donne moins 3. OK? Moins 3 fois 1, ça me donne moins 3. 5 moins 3, ça me donne 2. Ensuite, je fais 2 fois 1, ça me donne 2. 2 moins 2 plus 2, ça me donne 0. Et là, je peux automatiquement dire que P de x est sous la forme x moins 1 facteur x au carré moins 3x plus 2. Et c'est fini. J'ai sorti les qui. Celle-là, c'est la méthode la plus facile. Qui a des questions? Oui. Est-ce qu'on prend le malheur? Quoi que là? Est-ce qu'on prend le malheur? Ah, Emily. Ah. Ok. Je me demande de comprendre. Voilà, ok. C'est la méthode la plus simple. Mais c'est la plus difficile à comprendre aussi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, comment est-ce que vous avez fait? Vous faites le tableau. Je vais refaire le tableau. Je vais refaire. Pas de souci. Je fais un tableau comme ça. Je vais mettre mes coefficients. Je vais faire 1, ensuite, moins 4. Les 1, les moins 4, ce sont les coefficients qui se trouvent ici. Ce sont les coefficients de mon P de X, des différents nombres de P de X. Je fais 5. Je fais moins 2. Vous avez vu? Ensuite, je trace deux droites, comme ça. Et cette cage-là qui déborde, fait la racine évidente. Oui. Vous comprenez bien? C'est bon, Emily? Oui. Ensuite, ce que j'ai fait, premier des coefficients,
dam koy wacce ci top ci ci 3e cage bi mo ngi ni dam koy wacce direct wacce ko c'est bon voilà ensuite légui sum ko wacce damay def multiplication xolé multiplication ça 1 fois 1 résultat bi fi la koy def mu jox ma 1 ma def ñaari somme plus ref plus moins 4 plus 1 mo jox moins 3 y a-t-il quelqu'un qui a parlé c'est bon Abdoulaye c'est bon oui Émilie c'est bon oui Junior oui c'est bon OK moins 4 plus 1 ça me fait moins 3 ma defat encore le produit moins 3 fois 1 mo jox moins 3 toujours fi lay def def ni def ni def ni toujours là je vais faire encore la somme plus 5 plus 5 moins 3 ça me donne moins 2 ensuite je vais faire le produit plus 2 je fais encore le produit 2 fois 1 ça me donne 2 moins 2 plus 2 moins 0 toujours fi reste bi moy nek ci dernière cage bi mais bou len fatane dañu néwone p de x c'est égal à x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c lolu lañu waxone. Donc, les valeurs de A, de B et de C sont là. A égale 1, B égale moins 3, C égale 2. Madame Prince, que fait Madame Samayo? Oui. Les trois places de 0, si vous pouvez vous donner un nombre. Vous avez dit. Non, non, vous avez dit, 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 pour factoriser le. Mais vous factorisez le résoudre. Exemple, tay ji suma no résoudre p de x égal à 0 li ni suma la ko waxone xam nga yow factoriser nga p de x fi ni ah lay da ngay poser fi égal 0 et tu vas poser x moins 1 égal 0 ou x au carré moins 3x plus 2 égal à 0 li mën nga ko résoudre non li tam mën nga ko résoudre non kon jeexna donc boko factoriser rek tu as résolu ça. Donc, mais vous faites qu'il y a une racine évidente, là, normalement, il y a 0. Vous faites qu'il y a une racine évidente, il y a 0. Vous faites qu'il y a une racine évidente, il y a 0. Souleymane, voilà. Deux racines évidentes, OK. Junior, loy la ci? Ay, méthode bi nga na la tulu. Horner, méthode d'Horner. Gënë ko ci tableau bi. Wa, mom la bindini. Méthode d'Horner. Mo nek non. C'est la méthode d'Horner. Donc vous avez mom lañ nekk def la méthode d'identification, ensuite ñu def la méthode de division euclidienne, ensuite ñu def la méthode d'Horner. C'est fini, c'est terminé. Pour vous dire, Aziz, deux méthodes là, tu comprends tout. Bon. Mais méthode qui division, là, je vous comprends. Wow. Ok, je vais y revenir. Donc, cette méthode là, vous l'avez compris, vous tous. Oui. Emily, tu as compris? Oui. Moi, sauf moi. Sauf qui? Mon connexion, madame. Quand là? Mande, cher Omar, Traoré. Bon, Traoré. Mon connexion, madame. Wa, légui, je vais revenir encore. Donc les gars, après d'un coup, ils sont chiqués, d'un coup. C'est le juge. Ouais. Nous, 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 ko 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 na sidé de deux mo fi nek kay 2 p de 2 égal c'est évident man racine évidente propriété bim la jox dafa lèr nañ dam lené si p de x est un polynôme de degré n qui admet a comme racine évidente alors elle est factorisable par x moins a, a est un réel. Il faut pas poser cette question maintenant Souleymane. Oh, vrai. Souleymane ben là oui non mais mon nom est racine carré A appartient à R la wax R kay umbeul lepp
C'est un carré d'oreille. Alors, Abdoulaye ici. J'ai x au cube moins 4x au carré plus 5x moins 2 sur divisé par x moins 1. Je me pose la question, combien vais-je multiplier par x pour avoir x au cube? Il y a x au carré. Je fais moins et je fais la multiplication. X au carré fois x, ça me donne x au cube. X au carré fois moins 1, ça me donne moins x au carré. Je fais ça et je prends ça, moins ça, ça va me donner x au cube. Moins x au cube, ça me donne 0. Moins 4x au carré plus x au carré. Pourquoi plus? À cause de ce moins-là, il y a un petit peu. Je vais dire moins 3x au carré. Les glitches des, c'est moins watch. 5x avec moins 2. Ensuite, ce que je fais, je me demande encore la même question. Combien vais-je multiplier par x pour avoir moins 3x au carré? Moi, c'est moins 3x. Moi, je fais moins 3x. Je vais avoir moins 3x fois x. Ça me donne moins 3x au carré. Moi, je fais moins. Je fais moins 3x au carré. Vous vous rappelez de votre ce que vous allez dire. Quand vous aviez 14 divisé par 3, vous dites, je récite ma table de multiplication, ainsi de suite. Vous avez 5 fois 3, 15 c'est trop grand. Vous avez 4 fois 3, 12. Vous avez 4 fois 3, 12. Vous avez 12 ôté de 14. 14 ôté de 12 du moins ça. Vous avez 8 ôté de 12, c'est moins et bini. Le fait nous ôté, c'est moins et moins et bini. C'est ce que je dois faire moins. Vous avez compris? Oui. Léman, c'est bon? C'est ce que je dois faire moins. Voilà. Ce qui fait que l'examen est moins 3x au carré moins plus 3x. Je vais faire parenthèse. Je vais faire somme encore. Je vais faire moins 3x au carré moins plus. Je vais faire 0. Je vais faire 5x moins 3x. Je vais faire plus 2x. Je vais faire moins 2 encore. Je vais faire moins 2. Je vais me poser la même question. Combien vais-je multiplier par x pour avoir 2x? 2 là. Je vais faire 2. Je vais faire encore moins 2 fois x. Je vais faire 2x. 2 fois moins 1, je vais dire moins 2. Je vais définir, je vais 2x moins 2, 2x moins 2, je vais 0. C'est bon? Oui. Voilà, c'est bon. Légui Traoré. Traoré? Oui. Pour la méthode d'honneur, tu as raté ça, tu as sa connexion. Bon, j'ai chance, je suis de bonne humeur. Sinon, je vais te dire YouTube, c'est un mais je vais t'expliquer. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu reportes, tu fais un tableau, tu reportes les coefficients là. Tu avais 1, tu as 1. Tu avais moins 4, tu as moins 4. Tu avais 5, tu as 5. Tu as 2, tu as moins 2. Faites très attention. Là. Faites très attention. Je vais vous expliquer un petit pièce. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un polynôme de cette formule-là? Q de x égale x au cube plus x au carré moins 2 égale à 0. Si je fais honneur, polynôme 1, je fais ça. X à la puissance 4, bok la bok. Non, voilà, fi là. Voilà. Polynôme, degré 3, moi def 1. Degré bu si top 2, 1 moins nek, moi def 1. Ban mo wara nek, degré bu top si 2, 1 moins wara nek. Mais fi 1 amou fi, X amou fi. X amou fi. Est-ce que vous avez vu ce que je veux dire? Oui. Donc, damay def 0. Damay def 0 après donc def moins 2. X au cube, x au carré, x pour voir son coefficient c'est nul. Moment x bi nek fi bu len faté piège bi ni di gën ko am ci exercice bu ri ya ngi dégg. Voilà, c'est bon. Légui nak Traoré, c'était juste un petit rappel. Ensuite légui suma défé li Traoré damay tracer ni suma tracer ni tracer wat ni créer fi son ben cage def li légui 1 bi ni premier coefficient mom lay wacce directement fi fini la mo fi nek 1 bi mo fi nek c'est évident fi toujours place c'est évident donc fi dara do fi nek leg damay multiplier 1 fois 1 momo jox 1 après mo somé ñaar yi pour am fi ben nombre damay def moins 4 plus 1 momo jox moins 3 ensuite mo multiplier encore moins 3 fois 1 momo jox encore moins 3 mo def 5 moins 3 momo jox 2 mo def 2 fois 1 momo jox 2 moins 2 plus 2 momo jox 0. Ce qui fait qu'on a un coefficient A, B, et C. On a B de P de X égale X moins 1 facteur 2 X carré moins 3X plus C. Bien, d'accord.
On ko jox na tak. Plus 2. Wa merci. C'est bon. Plus 2. Merci. J'ai compris. Oui. Plus 2. On a plus 2. Merci beaucoup. Plus 2. OK, c'est bon. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Maintenant, le cours est fini, c'était pour ça. Je vous envoie la série tout de suite sur WhatsApp. Dengen. Et vous allez commencer à faire ça. Je pense qu'on va faire cours demain aussi. On va corriger quelques exercices sur ça. Dengen. On va faire cours demain à la même heure, corriger les exercices. Ciao. Comment ça va? Vous pouvez venir par WhatsApp, je vais vous l'air. Bon, ciao. Ah.